bonjour jérôme rio j'ai créé la société sakura en novembre 2020 le but de sakura c'est d'accompagner les managers les directeurs d'entreprise dans le management de leurs performance. le management de la performance c'est le contrôle de gestion c'est l'analyse des écarts c'est prévoir ce qui va se passer dans le futur notre but c'est d'être le copilote dans la structure dans laquelle vous, vous évoluez pour améliorer les performances et vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment quand il faut ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je fais du contrôle de gestion et dans toutes les entreprises où je, je suis passé, la problématique était au final la même. Euh, on passe beaucoup de temps euh, sur Excel en général à faire du, du tableau de bord et il reste plus qu'une heure, euh, une journée euh, quand tout va bien pour analyser les chiffres et les présenter en comité de direction par exemple. Donc bah du coup l'idée est venue de là, c'est réduire le plus possible le temps sans valeur ajoutée de, de créer des tableaux de bord pour derrière maximiser le temps sur l'analyse des données et voir comment euh, faire évoluer évoluer et prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc nous on se différencie par rapport aux éditeurs de logiciels par exemple puisque un éditeur de logiciels va, va nous fournir une solution standard. Nous on va s'adapter et se personnaliser aux besoins de notre client. Se personnaliser à la fois dans le temps, dans les moyens d'accéder à l'information, tablette, smartphone, tout ce qu'on veut, pour fournir une information fiable et qui répond aux besoins au fur et à mesure. Alors Sakura avec un cas un en japonais, du coup c'est le cerisier. Donc le cerisier, bah, vous avez tout en haut une euh, multitude de fleurs, de, 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 de petites particules qui sont chez nous les, les data des entreprises. Et donc du coup le, le tronc vient ancrer au sol toute cette information. Et donc c'est notre rôle de synthétiser la multitude d'informations pour l'ancrer au sol. Donc le cerisier représente bien notre, notre activité.